gouvernement qui a mandaté représentant yo que l'ité aller dans direction où elle allait. C'est pas faute d'avoir essayé. Président essayé, l'essayé, mais attention. Il venait en carrefour si après plusieurs tentatives et que bon réticence, bon indifférence, voyons rejet catégorique dans de démarches président, la République ne peut pas s'arrêter. Pays a pas qu'à camper pour le bloquer ou pas qu'à quitter, excusez-moi, le terme folie pouvoir, mais sans les élections, prend une démocratie en otage. C'est absurde, ce n'est pas normal, il n'est pas acceptable. C'est à ce moment-là que le président a été obligé d'avancer vers les compatriotes qui occupaient CEP, qui n'a CEPA actuellement. Bon, j'espère que tout est OK au niveau du son. Oui, donc ça veut dire que, merci. Donc ça veut dire que, et jusque-là, m'était dynamique ça tout. Malgré tout, il y avait peut-être une certaine possibilité de revoir certaines choses, parce que depuis qu'il y a une volonté des deux côtés, de la barricade, eh bien, nous cap toujours entendre nous. Mais il n'y a pas qu'à être campé pour attendre et puis pour aller tomber dans le piège pour ne pas faire élection. OK, et on a joué, bon, nous rejoignons Colonel Rebut dans quelques instants, mais ingénieur Bradel, c'est, on t'a parlé de incertitude. Sénateur Rivo dit pour le moins reconnaître que il y a une certaine appréhension. L'estimer terme incertitude là trop fort, mais pour le moins l'admettre que il y a des appréhensions compréhensibles. Lecture Paul comme figure importante de l'opposition politique. Bon, moi, lecture PAM, c'est une lecture qui est très simple. Et puis, c'est lecture, d'Acadie, tout secteur opposition qui pas quoi que là, on réel débat sous question mandat. Parce que nous-mêmes, nous faisons une certaine référence légale, c'est-à-dire qu'on référence légale, gain des éléments constitutionnels qui expliquaient ça. Parce que le président Jovenel Moïse, il était allé aux élections avec un cadre légal qui était composé de quoi? Il était composé de la Constitution 1987 amendée et du décret électoral 2015. Non, article 134.2 Constitution amendée et article 239 décret électoral gagnait une démarche qui établit, admis et écrit la dernière, côté que l'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. La Constitution indique que chaque 5 ans, c'est-à-dire 7 février, après 5e année, un président qui est au pouvoir, eh bien, on l'autre président vient pour le remplacer. Et il dit non, que chaque dernier dimanche du mois d'octobre, de 5e année de président qui est au pouvoir, faut qu'élection présidentielle faite. Et il dit que, quel que soit ça qui passe, c'est-à-dire qu'élection en retard, 6 mois, 1 an, 3 mois, etc., etc., président pral remplacer ça là. L'a considéré que mandat commencé depuis le 7 février du de la 5e année du président qu'il a. C'est ça le moment, vérité. C'est-à-dire, concision avec décret électoral. Là, c'est cadre légal que l'élection a été faite. Donc, soit l'élection avec ce cadre légal, ça, c'est qu'on accepte toute conditionnalité comme dans ça. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que le président Martelly, il était pris au pouvoir en mai 2011. Il sorti d'un pouvoir, c'est-à-dire mandat fini le 7 février 2016. Le président Martelly, pas de campé pour le dire. C'est pour m'aller jusqu'en mai. Vous comprenez bien? C'est la première. Alors, il avait tenté, pour la vérité, pour l'histoire, il avait tenté. Il n'a pas pu tenir. C'est pas ce qui m'intéresse. Qui m'intéresse, c'est la finalité. C'est. Bon. Le Sahara, c'est la première application de la Constitution amendée dans son article 134.2. C'est la première application. Donc, le Sahara,
président Matéli t'a quitté pouvoir le 7 février 2016. Mm-hmm. C'est pas en mille t'a quitté pouvoir. Mm-hmm. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le président Jovenel Moïse, le 11 janvier 2020, il a appliqué ça contre 10 sénateurs qui sont dans le Sénat, côté qu'il dit, mandat nous finit. Moi, sénateur, il va absorber. Il dit que mandat nous finit. On n'a pas le support de l'image. À partir de ce moment, je souris tout le temps. Monsieur, ah, okay. L'y appliquer en quelque sorte et article 134.2 dans la Constitution à cet effet. Il a été constaté que mandat est fini. À partir de ce moment, moi-même, d'un mec qu'on est, est-ce que pays ça a, il y a deux constitutions, une pour sénateur, une pour, enfin, une pour le pouvoir exécutif et une pour le pouvoir législatif. Donc, moi-même, pas quoi que là, gagner une bataille. Pour une question de 7 février 21, 7 février 22, c'est tracé par la Constitution. Donc, c'est ou bien la Constitution appliquée, ou bien à partir de ce moment, vous tombez dans l'arbitraire total, dans Santa Cabrélé, une forme d'anarchie totale, côté que le pays a pris l'emballer au détriment des intérêts de ce pays. T'allez entendre. Ivo a parlé de monde qui désimprend pouvoir, etc. En dehors des élections. Moi, je crois que faut suspendre avec démarche ça. C'est une démarche pas qu'un dans pour question de prendre pouvoir en transition. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire de transition en Haïti, qui est transition qui est faite en Haïti, que c'est l'opposition qui prend pouvoir. Toute transition que vous faites dans le pays d'Haïti, c'est toujours secteur société civile qui prend pouvoir avec le gouvernement. D'ailleurs, m'a rappelé en 2004, nous te voyons comment 2004 est fait. C'était des bagailles, nous voyons qui monde qui te prend pouvoir, et puis ils font gouvernement, ils disent son gouvernement de technocrate. Je connais qui est, qui l'opposition, qu'on prend pouvoir dans la fête transition. Transition, c'est toujours. Peut-être que vous voulez parler de privé, avec une sensibilité la valance. Que privé était une sensibilité la valasse, mais lui-même c'était dans le cadre de une application de constitution, enfin bien que moi-même pas d'accord avec lui, ça a été fait là, bon c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui est en débat. Ce qui est en débat pour moi, c'est le fait que cette affaire de faire comprendre à la population que l'opposition c'est pouvoir la chercher sans élection, le pas un coup à l'élection. Moi je dis que c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. C'est des formes de destruction de l'image de l'opposition. Ce n'est pas ça du tout. Que l'opposition n'a pas jamais bénéficié effectivement de sa nourrir les transitions. Toute transition que vous faites, que ce soit le premier coup d'État Aristide, eh bien nous voyons qui est en transition de fait, ce n'est pas l'opposition. Que ce soit en 2004, c'est encore pas l'opposition. Deuxième coup d'État, il faut ajouter. Pas l'opposition, ça c'est un deuxième débat. Bon, quand t'écrivais, il faut s'accorder. C'est un débat. Non, c'est pas là. C'est pas ça qui intéresse. C'est pas ça qui intéresse. C'est pas ça qui intéresse, Mpounia. C'est pas ce qui est un débat. Donc, moi-même, je dis, pas besoin d'ajouter pour moi, je connais. Dans l'histoire, je connais. Bon, moi, je dis que. Afin de faire comprendre que l'opposition a besoin de transition pour le pouvoir, je me dis c'est faux. Il faut avoir le courage, de dire en quelque sorte la vérité. Les transitions, les au fait, c'est jamais l'opposition qui c'est ça. Donc il y a toujours une prise en charge de l'international. Exactement, de l'international avec des groupes parlés et qui concoctait ça au besoin. Maintenant, nous-mêmes, on a l'opposition. Il y a une nouvelle réflexion qu'a faite là. Réflexion qu'a faite en profondeur, c'est la nécessité. Parce que moi, je dis plusieurs fois, sous micro ici, sous micro l'autre côté, qu'il y a ce qu'on appelle l'échec des élites dans ce pays. 217 d'indépendance, mais pays qui ne baille. Donc, un pays exsangue, un pays tête en bas, un pays côté nous pas qu'à régler rien, côté que nous pas qu'à bailler population à manger, nous pas qu'à bailler sécurité, côté que un pays, je dis à là, chaque monde qui a sorti dans l'arrière, l'a tremblé parce qu'il n'a pas compté, il n'a pas le kidnapper. Donc, vérité. Ce qui est encore grave, l'image qu'il y a eu, il a kidnappé policiers, commissaires, etc., etc. Donc, ouais, Negla, c'est chercher l'argent pour le pays. Ce qui signifie que son pays est en déliquescence. C'est ça. Donc, à partir de ce moment, nous autres, nous disons, c'est comment
s'asseoir ensemble avec les secteurs de la vie nationale pour construire les bases d'un nouveau pays, mais l'intérêt de la majorité de la population. Merci. Voici le fondement de cette affaire de transition, nous dit. Ce n'est pas une transition de gouvernement provisoire qu'on est prêt. C'est comment pour poser les vrais problèmes de ce pays, avoir des engagements fermes, des engagements fermes de la part du secteur, pour que enfin nous fait Haïti vivre nos pays, côté que Haïtien a commencé à rêver, a commencé à vivre comme monde un non pays. C'est voilà, ça. Bien. Merci. On introduit Colonel Rebu. Et Colonel, bon, je me demande comment l'année a débuté avec vous. Parce que je m'en garde le visage là. Je me même dit que le colonel Lavoué, petit garçon, remplacé. Je me garde là. Comment nous y est? C'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mon cher. Ah bon? Moment. Vous connaissez votre horizon? Qui est Christ? Pardon? Moi, moi, oui, parce que je connais toujours mon choix. Où. Non. Bah, ça, j'ai été élevé dans une famille protestante. Ah, ok. Et je me dis que mon homme qui était gourmand. Ouais. Donc les gros mariages. Cap contre battre le monde. Ouais. Les gros mariages. Et puis écartelé par ces deux forces. Moi je suis un déiste. Ah, ok. Ouais. Ah, okay. Et moi salut belle panel sur grand lame, salut tout auditrice, tout auditeur qui a écouté nous. Moi remercie pour l'invitation, moi profiter saluer Zamim Mario Vio. À toute petite Lima, c'est qu'a fait faut pour qu'un radio qui rend pile difficulté et espérer que nous cap gain intelligence éviter désastre que n'a préparé pour pays a un désastre en plus me supposer n'a cap gain intelligence pour éviter ces deux voies élite justement comme a dit mon ami Ousmane faut que nous joignent les meilleures solutions. Parce que je ne sais pas grand quel monde qui a sorti victorieux dans le spectre de bagaille qui est devant nous. Là. Donc, nous souhaitons tout le monde une bonne audition et nous souhaitons que l'émission soit capable, utile à la société. Hein. Beaucoup plus tournée vers les solutions que les complaintes permanentes de monde qui a tort, monde qui a raison, loi respectée, loi pas respectée. Nous avons déjà le. Le bilan, les résultats dans mes noms, c'est la souffrance, l'inquiétude, la peur, et le silence de la grande majorité des Haïtiens et la souffrance du petit peuple qui a continué. Maintenant, comment nous, qui sommes capables de faire pour nous prendre responsabilité nous face à tout ceci, nous passer. C'est à deux objectifs et mission ça. Quelles sont les solutions? Absolument, c'est ça. On salue Alain Alfred qui. A dirigé, bon, qui aide la société civile, qui a dirigé COGIT, la coalition haïtienne de la jeunesse pour l'intégration. Pour l'intégration. Ouais. Alain Alfred, comme une figure de l'opposition, de la société civile, pardon, moi salue et merci parce qu'on répond à l'invitation, nous, comme on est. Et nous, là, Peggy, nous pas qu'à dire en forme parce que nous, pays qui est malade, je prends zo, pas qu'il y a quelqu'un qui a bien fierté pour dire en forme. Et nous là observé comportement acteur qui ou bien cap gérer espace pouvoir ou bien acteur qui aspire pour venir espace pouvoir ou bien population qui en désarroi qui espire que jou cap venir a pi bon que je ne connais déjà yo. Et en réalité nous là n'a suivre Peggy permettre que moi saluer tout le panel qui là matin hein. Et auditoire là déjà connu yo pas la peine pour me citer yo et merci en pile pour invitation Peggy permettre que me saluer tout staff radio et Mario Vio et Marcel Joseph ainsi que tout valeureux journalistes qui font un travail énorme pour aider société à Wepiclin dans situation malouque que n'a vive aujourd'hui mais espérer que présence moi là permettre nous joindre un petit élément en plus parce que me certain que moi-même pour comme pas qu'à permettre moi penser que me détente toute vérité me penser dans tout ça qu'a gagné pour bail comme vérité ou bien comme mot sous vérité sous table là ma youn nan voix qu'a permettre que gagne au moins un petit lumière vérité qui pote dans espace moment vérité pour matin c'est ça mais de façon explicite quelle est la position de la COGIT par rapport à la conjoncture actuelle
bon débat 7 février 2021, 7 février 2022, qui côté que j'ai situé, Et moi, je pense que j'ai un débat qui a fait jeudi, il a fait avec raison. Et nous gagnons une étape que la société a franchi le, en février 1986, à l'époque Peggy Mtetimoun, c'est là que je me levais dans Petionville. Et là, je me fais d'ailleurs. Et moi, j'ai eu connaissance de ça, Timoun, que je me suis gardé full monde qui a sauté en bas la ville, qui a monté. Par contre, côté où tu as pris, même Timoun, tu vives ça. Et. Tu as gagné par la suite une équipe mon dans société a qui te prend responsabilité pour te doter pays a de une nouvelle constitution. Et dans la constitution ça a été clairement établi que mandat en président c'est 5 ans à partir de date que le prend pouvoir. Et ça je dis a faut tout acte qui dans pays a qu'on en pouvoir qu'on en opposition faut gain courage pour reconnaître que depuis les années 90 jusqu'à président Martelly, généralement, tout président qui montait sous pouvoir fait 5 ans. Bien évidemment, gagné de nuances, par exemple. C'était le cas pour le président Jean-Bertrand Aristide, que m'a salué au passage. Ok, président Jean-Bertrand Aristide, il est malheureusement arrivé sous pouvoir et à chaque fois, gagné de forces contraignantes qui ne permettre que l'exercer pouvoir démocratique que le peuple a bali. Si on considère René Préval, ni première ni deuxième version, il fait 5 ans. Si on considère le président Joseph Martelly, m'estime que c'est un citoyen pour qui j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de respect pour le citoyen Joseph Michel Martelly. Pour le président, là, il a parlé de ça. Même penser que il a suffisamment d'élégance. Et beaucoup plus que René Préval. L'on t'a accepté déposer tablier le 7 février 2016. Au lieu de mai 2016. Exactement. Qui t'a fait 5 ans. Exactement. Je pense que c'était une élégance quelque part pour citoyens, parce que je pense que citoyens t'es conseillé acteur qui t'es dans parlé à tes présidents, qui t'es permettre que t'es prend mesures qui t'es adéquat. Ou bien qui te correspondent à prescrit constitutionnel. Mais entre-temps, il faut que nous pas oublier que gagner une nouvelle dynamique qui développe et pas gagner suffisamment de promotion qui fait sous lui. C'est amendement, nous carrément les désordonnés, nous carrément les nous carrément bon un paquet de qualificatifs que nous avons mis derrière qui fait dans la loi Merla en 2011. Amendement que Parlement fait, côté que désormais, Parlement décide dans l'article 134-2A, depuis un mandat constitutionnel fini, son lot qui commence. Même s'il n'a pas duré 5 ans. Même si ce n'est pas le c'est pas président qui est élu constitutionnellement qui commence à exercer le pouvoir. Et je pense que c'est ça que nous devons commencer à dire population. Parce que je dis à acteurs politiques, que le pouvoir, que l'opposition, ils ont tout le mot sauvé vérité dans les bien évidemment, parti dans le pouvoir, Jovenel Moïse, il y a moins de vérité. Parce que si nous partons de la Constitution 87, le président Jovenel Moïse, il est rentré dans le palais en 2017, il a supposé sortir en 2022. Si pas de quelle modification que tu as fait dans la Constitution en 2011. Mais il arrive que président Jovenel Moïse prend pouvoir dans mes méthodes Michel Joseph Martelly, que m'a salué au passage, qui t'a accepté publier un amendement que t'es fait. Malheureusement, t'es grand pile vis de forme la donne, mais il t'a fait et il t'a accepté publier dans le journal Le Moniteur. Pour être totalement explicite, selon la COGIT, le président doit partir quand exactement? Non, si je parle selon COGIT, je parle selon Alain Alfred, ça c'est pas le pas m'a parlé. Et c'est ça que nous devons faire comme dislègue aujourd'hui. Le map tant des citoyens Jovenel Moïse, dans le costume président qui a parlé de mandat là, écoute, c'est lui-même en tant que personne qui a parlé. Alors ce que je dis, c'est loyaux, c'est constitution qui doit parler. Donc,
utiliser voix pour m'exprimer ça que la constitution. Allez-y, dans 30 secondes. Dans 30 secondes, président Jovenel Moïse rivait sous pouvoir selon la constitution amendée en février 2016. Parce que dans l'amendement qui fait dans la constitution, le mandat président qui est élu a commencé à l'échéance du mandat du président élu. Donc, président Jovenel Moïse, mandat a commencé en février 2016. Et selon la constitution, pas selon moi, en fonction de l'amendement que le Parlement a fait dans la constitution, mandat constitutionnel président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Donc dans moins de 30 jours. Dans moins de 30 jours, mandat constitutionnel président a fini. Mm-hmm. Ouais, donc, pas existe un mandat constitutionnel qui est en opposition à un autre mandat. Non, écoute. Le mandat est forcément constitutionnel. Non, pas oublier. Là, nous surtout inscrit nous dans dynamique de rappel historique. Mm-hmm. Pas oublier en 57. Mm-hmm. Docteur François Duvalier pour pouvoir. Mm-hmm. Intelligent que lié, dans la dynamique de renouvellement parlement, M. Tout glisson ba yorele amendement. Mm-hmm. Et dans l'amendement, ça glisse là-dedans, nan, li ba tête l'on pouvoir à vie. Mm-hmm. En réalité, M. était un mandat constitutionnel qui était établi déjà. Mm-hmm. Mais par gymnastique, et par souci pour le Québec pouvoir, monsieur jouait à l'intelligence, ou bien évidemment, peut-être que je ne sais pas qu'on est si bien de monde, malheureusement, qui était salué départ l'honorable Gérard Goug, peut-être que de ancien temps cool était capable d'expliquer nous qui artifice qui était utilisé pour que François Duvalier prolonger les mêmes mandats. Mais bien évidemment, je dis, il y a un élément pas joué en faveur président Jovenel Moïse, c'est que il y a un mandat spécifique que le gagné, c'est améliorer la vie. Et ce mandat, tout dirigeant, tout partout sous la terre. Depuis un dirigeant, ou non espace pouvoir, ou constater que la vie a pas fini, l'espoir va mourir ou pas y a place encore. Même si vous avez un mandat constitutionnel. Moment, vérité. Donc, je dis à me penser qu'il y a une nécessité pour que tout acteur fasse appel à la raison. Parce que 2004, il y a une possibilité pour nous éviter le ministre d'entrer dans le pays. D'un côté comme de l'autre, il y a un acteur qui veut qu'il y ait un pouvoir, il y a de l'autre qui veut rentrer dans le pouvoir, il y a qui te folie monter dans la tête, il y a mettre le pays dans plus que 10 ans d'occupation. Nous perdu des centaines de milliers de compatriotes dans la choléra. Nous avons des compatriotes. Des centaines de. Oui, il n'y a pas tout ça. Oui, il y a des centaines de milliers, il n'y a pas tout ça. Oui. Non, écoute. Non. Écoute. Non, pas perdu des centaines de milliers. Écoute. Oui, il n'y a pas tout ça. Oui, on l'a suicidé. Écoute. Il pense à quelques milliers selon sa crise. En réalité, je pense que gagner, on approche pour nous faire notre début année 2021. Et. Moi, toujours aimé faire rappel ça, parce que moi-même, si on est qui croit dans bon Dieu, je crois dans la Bible. Le Père l'Éternel te rendu compte que, après le déluge, tout le monde qui t'a vivre sur la planète, là, sur la terre, a été décidé pour te protéger tête face à un éventuel retour de déluge là. Bon Dieu, dans la science infinie, il dit, on va l'établir en dynamique de confusion. Bien évidemment, je pense que c'est une carte. Confusion, ou quoi, bon Dieu, tu es quand même confusion. Non, mais écoute, c'est à partir de tout de Babel, ou une multiplication de langue. Ou bien nous-mêmes qui interprétons comme confusion. Non, c'est ton dynamique de confusion. Que bon Dieu lui-même, il a pas de. Non, mais c'est le créel, parce que, écoute, automatiquement, ou imaginez, nous avons décidé désormais. Côté de l'eau, t'es sorti à ouvrir rivé là. Bon. Pour quel que soit ça qui t'arrive, pour ne pas mourir, j'ai été mourir encore. Excusez-moi, Peggy, bon, mon seconde pour me faire précision. En réalité, pour me rectifier, nous avons plus que
30 000 épiques haïtiens qui mourent de choléra. Ok, là. Plus de 30 000. Oui, là, vous corrigez. Oui. Plus de 30 000. Parce que vous avez dit des centaines de milliers. Non, mais ou peut-être. Après les 30 000. Peut-être. Même en pile monde de mort. Non, en pile monde. Peut-être que. Oui. Il y a un bagage que nous faisons. Parce que nous avons un problème de statistiques vraiment. Donc. Il est très sérieux. Mais Peggy, moi-même. Moi-même, écoute. C'est un chiffre officiel. Par le fait que. Oui. Moi-même, moi, t'ai gagné. Oui. Oui, quelques milliers de chiffres officiels là, fait état. Très souvent. Expertise ou c'est dans l'observation électorale? Non, mais nous sommes professionnels en développement. Oui, oui, oui. Et nous gardons l'impact direct corona ou bien choléra, excusez-moi. Nous gardons l'impact direct choléra dans la mesure où il y a une quantité de monde qui ont dénombré, qui ont l'innocent, qui prend soin, qui pas arrivé sauver, qui mourir. Mais une quantité de monde qui est derrière. Bien évidemment, là, prenons compte de l'impact que choléra a eu en Peggy. Son bagage infernal. Ok, n'a pas passé puisque c'est pas étoile de fond. C'est pour me dire qui ça. C'est pour me dire qui ça pour me conclure. Oui. Moi, je pense que gagner une démarche qui est assez rationnelle que acteur que nous avons de faire aujourd'hui. C'est fait preuve d'intelligence. Je crois que dynamique, diversion, dans quel que soit Boa, le pape marche encore. Il y a trop de monde qui compte l'île dans le pays. C'est ça. Ok, pas de problème. Alors, n'a vini à sénateur Rivo. Mais le constat, c'est que pour le moins bon malaise, de quoi demain sera fait, pas quoi pouvoir la connaît de quoi demain sera fait, non plus l'opposition. Est-ce que il y a plusieurs tentatives de dialogue ou de chita parler qui pratiquement voué à l'échec? Je dis, l'opposition politique dit oui, nous avons chita avec le président Jovenel Moïse, mais c'est pour définir les conditions que l'a quitté le pouvoir. Là. Et apparemment, le pouvoir n'a pas ouvert de cette oreille, puisque il y a une dynamique 2022. Maintenant, est-ce que nous ne rendons pas compte que de plus en plus, il y aura cette implication, bon, j'en ai le plus souvent lié, de l'international qui peut-être malheureusement pourra le décider. Merci. Moi-même, je voulais faire une intervention. Je vais répondre directement à la question que vous posez. Hein. Peggy, mais permettez-moi de dire à l'auditoire, moment vérité, je salue d'abord Fréno, colonel Rébu, avec quelques jeunes barons, bien content. Mon visage là, bien frais, colo, qui est ferme, mon frère. Je salue tout Alain Alfred. Une vieille connaissance de Cogit que nous connaissons très bien. N'a pas dit que, monsieur, de deux choses l'une, les map gade article 134.2 amendé, soit c'est moi qui blie li, qu'on lit, ou bien c'est monsieur qui complètement fouvoyé tête yo. Fouvoyé yo, pour une raison simple. Les mauvais article 134 là, même bien devant. Mais c'est l'argument le plus massu qui plaide que mandat, pour que mandat président arrive 7 février 2022. L'année de l'élection. Non, pas l'année de l'élection. Sous lire article 134.2. Et Dieu merci, on lit toujours. Il dit clairement, le président élu a... Et, même si vous pas spécialiste en droit public. Oui, bien sûr. Et dans le niveau ça à tout... honnêteté intellectuelle exigée de tout le monde qui connaît lire. Il n'y a pas quatre monde qui connaît lire là, oui, sous panel là. Et l'autre monde qui a de nous, il pile là, il connaît lire. Bien, oui. Et si quel que soit citoyen lambda qui prend ou explique ça, j'en m'appelle lire. L'a dit, mais c'est vrai. C'est lui qui plaide, c'est le plus gros plaidoyer qui gagne, oui. Vous voulez. Mais bien sûr, mon frère, l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Ça va concerner le président Jovenel là. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. D'accord? Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, à l'intérieur de la transition qui te gagne en tête, li, compatriote nous, Jocelyn Privert, eh bien, Yodou. Le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin
Et son mandat est censé. Mais ceci ne s'est pas produit avec le président Jovenel. Si élection fait... Vous parlez donc aux cause à effet. Ah non, mais ceci ne s'est pas produit. Dit m'a fini point de vue analyse moi président pas installé immédiatement après élection t'es fini fait dans année transition Privert là ou pas capable dit mandat t'es commencé courir à partir de l'installation de Privert. C'est une absurdité. Yotan 7 février 2017 pour respecter la date symbolique et constitutionnelle pour l'installer. Ça veut dire que mandat commence à courir à partir du 7 février 2017. C'est ça, article 134.2 a dit. Si Privert te prend toutes les dispositions, si mes compatriotes de l'opposition te exigé que 3 mois après l'installation de Privert, les élections aient lieu comme ça a été prévu dans l'accord, et que même côté, yo, bah, il résulte à l'élection, hein, yo validé et mandat et président Jovenel là, il prêtait serment, il investit dans ses fonctions, il aurait non, son mandat. Non, mais c'est problème, c'est-à-dire, pas de problème. C'est question de ne pas répondre. Non. Attendez bien. Je ne vais pas répondre aux questions. Non, mais attendez bien. Je vais décortiquer pour vous. Attendez bien. Sur qui base, président, exiger que le sénateur aille. Non, écoutez, moi, même pas là pour me discuter de causer sénateur ou non, pas. Non, président. Non. Président, à travers le tweet. Je fais un débat constitutionnel puisque. Ils ont argumenté que ont avancé sur article 134.2 pour soutenir la thèse, entre guillemets, farfelue, que le mandat président a commencé en 2016. Or, moi-même, quand je défends clairement la thèse que le mandat a commencé en février 2017, puis bon article pour me brandir, c'est l'article 134.2. Puisque. Malgré ce lié au brandir, même. Oui, parce que. Ils ont lu à l'envers parce que Neguio son planète à des années-lumière de la réalité. Côté que y a une planète, il y a les planètes transition qui fait que, et ce sont des gens qui sont très bien formés, qui qu'on lit. Or, l'article 134.2 a montré clairement sous Brandil, et même monsieur nous fait erreur, oui. Il faut qu'ils aient l'élégance de dire et de reconnaître que le président Privert au lieu que tu aies fait installation président Jovenel dans l'année élection, tu fait normalement résultat ben, au cours de l'année 2016. Laisse ça, mandat président Jovenel, tu as commencé à courir à partir de cette date. Ça arrive même des si autres que n'a fait 4 mois. Des autres que n'a fait constitution pas trop tard. Et bien, nous avons fait le nom. La petite nom. Nous avons comme société. Oui, des autres que n'a fait. Oui. Bon, maintenant, cas. Mais m'a préparé une question. Ça veut dire quoi de grâce? Cesser de brandir cet article qui va jouer en faveur nous, ni en faveur de cette obsession qu'on appelle la transition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais on me parle de conditions de départ, mais départ de qui ça, mes amis? Mon frère, le colonel Rébu, ça a près de 20 ans depuis que n'a argumenté et contre-argumenté, mais sur l'éternelle question de départ, pas départ. Mais on ne paye pas qu'à fonctionner comme ça. Bonjour pour nous rester pour nous dire c'est assez, it's enough, et que by stop, et que on nous prend règle jouette là, la loi, la constitution pour un nouveau départ. Mais je ne peux pas, à longueur de journée, au fil des années, au fil des décennies, pour m'abdire que toute la sainte journée, comment départ après le fait ou pas fait, départ fait, on j'en sais, lorsque le président élu, d'accord, vient de remplacer un président qui était sorti dans l'élection, comme ça se fait dans toutes les démocraties. C'est comme ça pour le fait. Mais si que moi-même en 2021, je dis à là, m'a fait analyse, je fais de grandes envolées, m'a fait des débats interminables, sous conditions de départ ou conditions pour été, là, nous anachronisme pathétique. Parce que c'est une grosse anomalie. Ok. Il faut que les Haïtiens, ceux qui font de la politique, aient courage pour dire, monsieur, on quitte l'alternance, en fait.
OK, OK. Je dis à c'est Alain, demain c'est Rosemont, après okay. C'est colonel Rébu. C'est ça. Mais ça okay, c'est ça, comme ça okay, qu'il faut procéder. D'accord. Nous notons que vous ne pouvez pas réagir. Et non, ma réagir sous deuxième question. Non, je, sur le fait que président. Je ne vais pas me faire. Fini. Non, mais après, prenons l'autre gens. OK. Le Parlement qui était là, il s'est autodétruit. Il a fait sa opération Harakiri. Parce que il était là, au lieu que je vais pleinement rôle pour que yo fait travail que yo t'ai voté pour lui, eh bien nèg yo t'a perdu du temps dans craser immobilier. Non, si c'est ça pas gagne monde qui se joue le sénateur Rivo. Ça veut dire que je ne vais pas gagne monde dans l'exécutif, dans parlement. Pas pour le creuser. Qui joue au lieu. Mais écoutez, au niveau de l'État dans ces 20 dernières années. Je vais le dire, le président Aristide a été élu en 91. Moins de 7 mois plus tard, il a été victime de coup d'État. C'est une anomalie. Et il a commencé à jouer au rôle. Là, depuis là, nous commençons à creuser. Quelques années plus tard, président Préval Vini, il y a eu plusieurs tentatives pour le coup d'État. Il a joué même, il était campé devant un monde international. Là, il dit non, je ne pas m'a fait. Avion dit capitaine sous tarmac là, c'est où qu'a pris la dalle. D'accord. Et il a eu le courage. Il a passé 10 ans au pouvoir. Ah bon bagaille. Il a gourmé. L'unique président. Président Martelly. La période post-86. Non mais président Martelly Vini, les mêmes péripéties, les mêmes turpitudes, les mêmes ratiocinations bilvésées de il gagne pour l'aller, il pas gagne pour l'aller. Seul le pas gagne un problème de Bassayo. Devine quoi. Seul là, il y a une parenthèse démagogique là que aurait les transitions. À ce moment-là, la vie politique est cool. On se la coule douce. Il y a la sérénité nécessaire. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Parce que il y aurait des transitions. Mais depuis que son président qui est élu au suffrage universel, il passe jamais de temps pour implémenter rien. Il faut leur donner du temps. Et puis au bout du compte, on va demander un bilan. Bon, ou pas cap, toute la scène journée, c'est pays lock, c'est coup d'État, c'est chicane, c'est chirépite. Et au deal, heureusement, c'est vrai. Depuis après l'indépendance, c'est dans Sanouye. Et puis après, pour étonner que nous n'avons pas étanouye. Ok, et, colonel Rébu, je vais retourner à vous-même. Et moi-même, parfois, je réfléchi, et toute la nuit, je t'ai réfléchi sur l'émission. M'envie, Haïti. 8 février 2021. Par contre, je vais conclure, excusez-moi. Moi-même, tant qu'on m'a dit dans le commencement, qu'on l'a bon quand arrivé là, est-ce que tout est rose? Est-ce que son long fleuve tranquille qui va se jeter dans la mer? On reconnaît qu'il y a des préoccupations, des inquiétudes réelles, et en tant qu'élite, je l'ai dit aussi, on chita ensemble pour éviter nos catastrophes à payer, non? Conscient que nous sommes... Non, parce que les démons du chaos, capables de faire des gants, encore comme ça, ils ont ça qu'on fait déjà. 2004, pété couri, ou bien même n'est-ce pas même hésité à parler de déchoucage, de je ne sais quoi encore, quelle absurdité, quelle monstruosité. Mais nous sommes des élites. Mbawe Bagayou, même Jacques Colony, ingénieusement, mais ce sont des amis. N'a pas jeté ni sous ensemble de journée. Bat! Mais pourquoi ça ne va pas chita avec vous, me dit monsieur, entendez-nous, quelques mois, ce n'est pas une éternité. Après président Jovenel, il y aura un autre président. Le président Jovenel ne peut pas succéder à lui-même. Mais pourquoi ça, qu'on n'y a pas préparé terrain pour qu'on l'autre président, 7 février 2020. Ok, c'est ça. Colonel Rébu, dans sa sérénité. Alors, 8 février, m'a réfléchi sur 8 février 2020. La rentrer dans la Constitution, la retirer dans la Constitution, article qui n'est pas conforme à type pouvoir. Alors que faut mon état, s'il d'accord. Nous sommes en 1989. Oui, que pouvoir là pas conforme à la Constitution, c'est fait de façon pour pouvoir la sortir. À moins que le déclarer carrément, lui assumer une dictature que la mette. Donc ce n'est pas le premier jour que nous avons fait dans le pays. Et nous avons fait du bagage anormal.
et puis après nous voulons que bagaille anormal la vienne tourner normal. En ce qui concerne le mandat du président Jovenel Moïse, son mandat prend fin le 7 février 2021. Le bonheur. Fait bagaille pour chaque jour, le sentir gain plus espoir, de gain plus pour et perspective de vendre, surtout pour les jeunes. Pouvoir, c'est une affaire de chita sous pouvoir. Maintenant, je dis, nous avons un constat devant nous. Irrégularité qui fait tout, nous n'avons pas même besoin de discuter, de citer article devant nous. Mais ces irrégularités-là viennent par nous, ils ont fait. Le fait aujourd'hui, c'est que nous vivons un drame. D'ailleurs, que nous avons fait pour nous investiguer. La plus grande partie des crimes que nous avons assisté aujourd'hui dans le pays, c'est assez souvent des jeunes qui en dessous de 30 ans qui ont commis. Tant dans le banditisme public que dans les cas d'assassinat qui ont origine dans tout type d'explication. À côté de tout ceci, je prends pile temps pendant deux derniers mois. Je marche en pile dans le pays, je marche en pile dans Port-au-Prince, dans tout coin. Je n'ai pas assisté dans quel état lamentable que nous vivons comme monde, dans le monde de l'espace physique. Tout partout, pile fatra tout partout. J'ai l'impression que ça n'a pas gêné personne, que le chef n'a pas tellement de temps pour vous. Moi, ouais, deux, trois belles buildings que ont construit derrière Palais National. Là, ils ont fait 300 mètres de route, ils ont bagarré en pile publicité. Le vais me virer, me garder en direction de Saint-Phil, en direction du petit séminaire, qui est à moins de 400 mètres du Palais National, volume fatra saleté, qui est dans l'arrière, c'est quand on a dit zone ça, où on n'y a pas jamais. Mais au-delà de fatra physique, là, il y a un état de fatra moral que nous vivons. De monde que vous descendez, de monde qui a dirigé le pays, vous assassiné non soirée, on pile le monde. Demain matin, on ne vous pas aucun responsable qui dit quoi que ce soit. C'est quand le monde se pas même bête. A parler de la saline de Bel Air. De la saline. Je suis venu sous Bel Air. Dans la zone chancelle. Yo rentré sous Bel Air grand la journée, grand après-midi, Delma 2 jusqu'à Delma 24. On route, ou après comme Delma 18, nous passons près de 2 mois et demi, personne pas capable permettre yo traverser là. Moun yo abandonné, grand la journée moun allé battre, bouler caillou, tirer, coup de fusil à tirer grand la journée, pas qu'une personne autorité qui jamais dit rien. Pourquoi le film qui a été tourné à Village de Dieu, pour lequel on n'a pas foutu aucun, jamais opération sans bilan, voire des opérations publiques et spectaculaires, qui ont un bilan immédiat et bilan par journée, ou pas une solution à un problème 400 marozo, c'est ou bien l'impression que c'est un bruit au fait. Il fait négo courir après ça, il retourne dans la même place. Il y a un policier que monsieur a révélé. Dans la même place là encore. Quand je prends sur le plan technique la mécanique qui met en place pour les kidnappings, il n'y a pas 60 points de, pour regarder les gens qui kidnappent. Il n'y a pas 10 000 avenues d'approche. Et me rappeler mon collègue une équipe bandit qui était pour voir l'ode. Il y a une série de barrages qu'il était mis, il était bail l'ode pour venir retirer. Et comme de fait, il a retiré. Maintenant, vous avez dans l'ambiance un sentiment de doute. Parce que moi-même, je ne peux pas porter accusation
son monde sans que m'bagain des éléments pour asseoir accusation. Cependant, il y a des faits. Est-ce que c'est vrai que Haïti pas aucune connaissance, pas grand monde qui aucune connaissance, pas aucun moyen pour stopper ce désordre? Maintenant, à l'intérieur de cette ambiance générale, le pouvoir dont le bilan n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, parce que les pas cap dit qui ça le fait pendant 4 ans, du moins ce matin assez souvent il dit que l'opposition empêchait au fait travailler. Donc c'est comme si c'est l'opposition qui était le vieux pouvoir dans même, qui décide aujourd'hui à non, ou pape agit, ou pape nettoyer la rue, ou pape est by sécurité. Moment, ou vérité. Il n'est pas comme ça. Pape by manger. Il n'est pas comme ça. Maintenant, côté nous arriver là, l'opposition dit faut que le président Jovenel Moïse démissionne. Il est presque 3 ans là, dit ça. Président Jovenel Moïse, pourquoi j'aime démissionner. Maintenant, est-ce que l'opposition a un moyen pour le démissionner? C'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Président Jovenel Moïse dit le chita lui-même n'est pas prêt à aller. OK? Donc, nous avons deux belligérants qui ont deux positions diamétralement opposées. Mais au milieu de ces gens, il y a la population. Moment, vérité. Il y a la petite population que nous acculons à la misère absolue, qui par contre qui j'en pour le faire, pour le vivre au quotidien. Il y a la classe moyenne qui a cessé d'exister aujourd'hui. Et peut-être un autre tableau, un bagage important, matin avec Marcel. Moun qui a fait mal, il y a un pouvoir pour faire mal, c'est parce que moun qui est capable les gens de bien fait bien eux. Yo même yo rentré dans le silence. Pour que le mal triomphe, il faut l'inaction des gens de maintenant, bien. Maintenant, quand nous avons analysé en fin de semaine la situation au niveau du gré, et pour venir aux perspectives grimaçantes, moi, j'ai pile moun kap joué. Kap joué, yo gen lè gen des images qui sortent dans la tête. Image plus récente que nous gagnons, c'est 6, 7, 8 juillet 2018. Image qu'une guerre qui remonte plus loin, c'est 7 février 1986. Nous, un petit peu agi, c'est comme si nous oublions infrastructure mentale et culturelle population. Moi, quoi, volume misère qui est là, volume, pas qu'à dire, c'est pas haine, volume frustration que nous gagnons, les pas qu'à pas nous ont des ordres généralisés. Et si les autres ont commencé, qui est-ce qui a une capacité pour la stopper, pour le mettre l'autre là-dedans? Est-ce que c'est ça le président Jovenel Moïse voulait? Est-ce que c'est ça l'opposition voulait? Et la question, les citoyens conscients du danger qui est là, est-ce qu'ils sont capables de continuer à gagner silencieux, rester dans le silencieux? Parce que Jouba Gaïla a privé, Monsieur le président Jovenel Moïse, la bgen la vie sauf. Monsieur la bgen très peu de bien le cap crasé. Mais d'ailleurs, quand il y a été en bas, quoi, pour l'y suivant, ça me détend que t'as dit. Maintenant, est-ce que moun pral perdre du caillou, pral perdre du vio, pral perdre du bien, à cause de une série d'acteurs qui n'ont situation côté ou pas cap porter solution à problème qui est là? Moment, vérité. Donc, ça nous préconise. Il faudrait que un appel qui t'a lancé et que de mon normaux dans la société capable de dire monsieur font camper. Président Jovenel Moïse dit non train, dit d'où train ça n'a pas de frein. L'affaire constitution, moment, vérité, bah énorme. L'elfe ne fait constitution, il pourrait faire élection. Il y a un CEP privé. Moment, vérité. Qui est en bail calendrier électoral? Alors, dit privé. Excusez-moi, Peggy, c'est au cap de l'émission. Vous faites moins d'informations. Oui, c'est à ça va de soi. Comment ça? Vous dites que c'est CEP. Oui,
Il y a 9 mois. Non, Alain, vous juste qu'on implique dans l'observation électorale. Vous connaissez qu'on s'est EP qui est en place. Ça, c'est colonel. Trois plus bonnes informations. Ah, c'est toi, Alain. Une minute. Une minute. Moi, pas sur le terrain. Pas de finir ça. Pas sur le terrain football. Vous dites, et pas quoi, j'aime un match qu'on fait 3 contre 1. Maintenant, ce que je suis en train de dire. Maintenant, DCEPA est en bas calendrier électoral. Date calendrier électoral. Les bas date élection. Oui. Cela veut dire que CEPA connaît dans la constitution président Jovenel Moïse pour le faire. Il y a des dispositions qui tout fixées en ce qui concerne les élections. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ah, okay. Maintenant, comment arrêter tout ceci? La route que le président Jovenel Moïse a prise est mauvaise. Les problèmes de l'opposition jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, qui pour qu'on dit nous, le président Jovenel Moïse allait côté à mener nous. Il y a beaucoup de nous côté à mener nous. Si c'est Canaan, ou bien si c'est dans l'enfer du ciel. Maintenant, cela veut dire que qui est-ce moun qui a un schéma clair? Si une situation t'a présenté, le 8 février, nous réveillons, président Jovenel Moïse pas là, 1, 2, 3, qui s'en a fait? Qui est-ce qui va prendre en charge la question de la sécurité, qui va neutraliser Bandio, qui va permettre moun kap vivre? Qui va chercher président? Qui va chercher premier ministre? Qui va chercher ministre? Pas le chercher seulement. Mais pour faire quoi de différent? Moi, je crois que dans le moment où il est là, je ne pas quoi. Et en plus, alors pire, est-ce que nous avons effacé totalement possibilité que le 7 février 2021 à minuit, président Jovenel Moïse parlait, pays a embrasé. Sur tout territoire, qui est-ce qui a la capacité pour rentrer dans ce feu et résoudre les problèmes? Moi, j'entends des gens qui même écrit l'international. Ce n'est pas parole dans la bouche, non, c'est parole écrite qui s'en s'est demandé pour intervenir là. À gauche ou à droite. Chaque monde a cherché une international qui pour supporter. Et comme l'a dit le camarade Alfred tout à l'heure, je n'ai pas aucun souvenir côté international là, tu es intervenu dans le dossier haïtien yo, et que solution était pour te dire que tu n'as plus de bonheur. Donc, pour me faire mes sous-chapitres, ça, deux mouns qui ont tout toi, qui seulement, quand même, ont responsabilité population de Campé Captain, il faut que nous lançons appel. Pour une cap créer conditions, et je crois que l'Église catholique a déjà exprimé sa disponibilité pour Nalchita sans a priori. Pendant le programme, elle cherche pour se former gouvernement avec le président Jovenel Moïse. Elle chita poser problème qui l'a eu et imposer des solutions qui capable permettre que le 8 février au matin, l'enlevé nous pas tomber dans l'obéille ingouvernable. Mais faut qu'on parle à l'opposition, qu'on fait partie de l'IA. Parce que si on dit que son chita parle a priori, sans exigence. Excuse-moi, moi pas fait partie de l'opposition organisée qu'il a, ça fait quelques temps. Ok. Et toujours à poser question, ça, même le m'te actif en dans l'opposition, de toujours poser question. Quelles sont les lignes stratégiques et quel est le plan pour remplacer le président Jovenel Moïse? Pas même irrité dans le moment présent. Parce que de toute façon, le président Jovenel Moïse devra partir.
Oui. Ok. Que c'est dans un an, quelques jours. C'est quand vous m'avez dit pour un an, c'est quand un an, c'est quand vous étiez 10 ans, c'était bail. Ils vont pas qu'être un an. Nous pas un an. Nous pas un an. Nous sommes encore prêts à l'élection. Et Israël. C'est pas salé. Ma fini. Nous pas un an, là. Ça avant, il y a un président pour qu'il vienne sous pouvoir. Presque 4 ans que tu as passé. Maintenant, bon, on dit président Jovenel Moïse, arrêtez. Puis il n'y a pas fait l'autre bagaille que soit écrivé ton plan. C'est que aller de mal en mal, de mal en pire, jusqu'à ce que il y tombe devant l'obéi inévitable. Parce que moi, pas ouais, qui j'ai un type gestionnaire capable de générer ou l'autre bagaille qu'on l'obéi. Arrêtons le train. Arrêtons le train. Parce que côté nous praléa, ni une ni l'autre. Il n'est pas fait population bien, il faut nous gagner intelligence, je nous l'autre bagaille. Moi, je parle de discussion sans a priori. Pas à l'anchita pour aller chercher accord politique pour nous faire le même genre d'entente que nous habitué à faire. L'opposition est très claire sur cette question et c'est mon avis aussi. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter la catastrophe qui nous pend au nez? Parce que le bagaille arrivé 8 février, nous pas cap dit nous pas responsables. Nous, pape cap dit que nous pas responsables. Que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition. Que nous soyons du pouvoir ou de l'opposition. Et jour 8 février au matin arrivé, l'obéit tout partout dans le pays. Qui est-ce qui a une capacité physique, qui a une capacité morale pour aller prendre une nation pour dire, mais écoutez, nous allons aller. Mais pas quoi que nous t'as souhaité en cachette que c'est international là qui t'a vu une faire, parce que chaque fois le faire. Il n'y a pas jamais fait en faveur d'une protagoniste qui est dans la bataille. Moment, vérité. Alors, et. Moment, vérité. On nous fait le circuler quand même. Oui, pas grave. On nous fait le circuler. Oui, ingénieur Bradel. Alors, je ne sais pas qu'on est bien saisi, dernière approche colonel Rébuyan. Son shit a parlé sans a priori. Donc, ce n'est pas obligatoirement un shit a parlé. Sur les conditions du départ du président le 7 février 2021, est-ce que l'opposition serait réceptive à une pareille proposition? Bon, moi, je pense que si n'a pas poché problème non, comme ça, moi, je pense que c'est un. Sanda Kabdi nous baille une carte blanche à tout le monde qui a pris le pouvoir dans le pays d'Haïti, qui a fait pouvoir dans le pays d'Haïti. Quand on doit faire des ordres contre toi, et puis le moment venu, et bien mon cher, faut nous chiter ensemble et pour nous considérer. Moi, je crois que faut nous sortir dans mode démarche ça. C'est-à-dire, nous avons démarche côté que en une situation chaotique, les situations viennent chaotiques, et bien on est obligé de compter avec qui fait des gars. C'est-à-dire, ou fait des gars et puis on va profiter des dégâts. Moi, je pense que c'est une attitude irresponsable, tout à fait irresponsable. Et tant que c'est comme ça, n'a pas abordé le problème, nous avons retrouvé à chaque moment dans la même situation. Ça. Moi, je crois que pas aucun pays, pas aucune société humaine qui arrive à évoluer en dehors des principes, de respect des principes, respect des lois qui régit en quelque sorte le mode de fonctionnement dans la société. Parce que je pense que tout citoyen ou citoyenne qui entre dans une démarche, que ce soit une démarche politique, que ce soit une démarche administrative ou quoi que ce soit, il y a des règles, il est là ou obligé de respecter. Comment on peut le dire qu'un président qui allait dans l'élection dans un cadre légal bien défini, qu'il connaît d'accord avec lui, et après, il veut faire juste le contraire. Et puis, l'on veut faire juste le contraire, et puis on dit, bon, ah, son un an crété. Bah là, c'est pas une question de durée. Bah là, pas une question de durée, c'est une question de respect et de principe, respect des lois, respect des règles. C'est ça lié. Parce que cette rigidité du respect des règles, regardez tout pays qui a avancé au bout. Tout pays qui a avancé, c'est parce que il y a des principes qui sont établis. Eh bien, nous sommes obligés de respecter. Exemple. En ce moment, ingénieur Bradel, dans la même logique approche que nous avons le rébut, ça m'a même posé une question, ça, dans la même lignée.
Jovenel Moïse affirmait que il va parler 7 février 2021, c'est 2022. Est-ce que vous autres de l'opposition, vous êtes certains de pouvoir le contraindre à partir? Si réponse en ta va non, peut-être ça t'a justifié approche que je voulais dire par rapport à tout ça n'a gagné comme confusion, instabilité des rues, etc. etc. Je n'ai pas abordé le problème dans le même genre avec vous. Ça t'a dit, je vais poser le problème, non pas poser le conseil. Je n'ai pas posé le problème en termes de moins de force ou pas de force, ma prazo ou ma force ici. Pas poser en termes de moins de force ou pas de force. Mais c'est pas en termes de force et force. Je vais poser le. On pose en termes de les humains, femmes tant que garçons. Quand ou rentrez dans Santa Cabrille, ou ka di m son baye son vieux pieux. Ou ka di m son vieux pieux, ou ka di m son vle. Parce que qui ça permet une société avancer? C'est un accord global entre moun qui compose la société, entre les différents secteurs. Nous dit c'est comme ça, nous d'accord pour nous faire le marché. Donc, si on est quand on dit, moi, je ne vais pas faire le marché comme ça, encore, moi, mais, on est qui était. Mais ça, ça va faire avec ça. Non, attends. On est qui quand on dit, bon, moi, la constitution, ça ne va pas bon, n'a font l'autre constitution. Ça, c'est autorité, ça. Pour être ou décider, ou pas le font l'autre constitution. Ou décider pour qu'on tout, ou craser tout ça qui est là, ou même pas le font l'autre constitution. Bon, une constitution qui dit qu'on pas rien doit faire référendum, eh bien, monsieur. Prend un CEP le monter, on va aller le CEP, du monter et puis il dit bon, moi, je vais l'ordre pour faire référendum. Alors, et puis, la majorité de la population, ou bien toute population, quand elle garde, elle accepte ça. Donc, à partir de ce moment, mes chers amis, qu'on le veut ou non, eh bien, dans quel système qu'on y est? La consultation populaire par voie référendaire est interdite. Eh bien, oui. Donc, c'est ça la force. C'est pas pour y être physique, non. C'est-à-dire, c'est la force des institutions. Nous avons un exemple très clair. Non, mais nous avons une réalité. Un exemple très clair. Quand l'institution pas subitement vient fort, Eugène Bradel. C'est pas que pour. Ça ne pas construire. Institution subitement fort. Institution force et avec la volonté de la population. C'est avec la population. C'est les gens qui fait. Ouais. Si, ou même comme élite en un pays, nous-mêmes comme élite en un pays, nous d'accord pour entrer dans un cycle infernal de désordre. Alors, mais c'est tout à fait normal qu'on pays exsangue dans l'État qu'on y a. Donc, pour sortir dans la situation qu'on y a là, pays exsangue, misère, toute qualité de question qu'on y a là, un pays incertain, une population désespérée, donc, il faut arriver établir entre nous, que le respect des règles, des principes, des lois, tu vois, et des engagements, c'est le fondamental, en quelque sorte, de la population. Regardez ce qui passe là aux États-Unis. Malgré tout ça que le président Trump a essayé de faire, eh bien, l'institution est assez forte pour faire monsieur comprendre ou pas qu'à faire ça. Et c'est là le problème. Monsieur, bon, si c'est une question de qui force ou gagne pour faire ça, eh bien, nous tombons dans le jeu. C'est chaque monde prend physio, eh bien, c'est la loi du plus fort qu'on a établi. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas moun qui a plus force là, qui a plus âme, etc. Ce n'est pas ça lié. C'est ce respect des règles, respect des lois, qui c'est un engagement citoyen. C'est ça lié. Si vous pas arrivé là, ou pas qu'à faire ça, eh bien, le pays ou là, pas besoin de rien, ou pas besoin de rien. C'est mode pays ça qu'on a continué. Voilà. Bon, de point de vue idéal, c'est rebondit. Parce qu'on connaît position mieux contradictoire par rapport aux autres, donc nous solliciter la parole. Merci. Allez-y, sénateur, rapidement pour finir, Alain Alfred. Oui, oui. Oui dit, on entendait religieusement colonel Rébu avec ingénieur Rosemont. L'approche du colo est quelque part et empreinte dans certaines sagesses. Et me féliciter pour ça. À quelques nuances près, mais qui d'importance. Très colo à Paléa. Généralement, ce ne sont pas les présidents élus qui ont poussé Gaza au Bagadé, non? Ce sont des gens qui ont été aux élections, mais qui ont perdu, la plupart, je ne sais pas dans quelles conditions, avec un fait 1%, moins de 2%, mais qui refusaient d'admettre que y a un monde qui gagnait et qu'ils
faut lui laisser le temps de gouverner. Porter, faire des critiques constructives, c'est normal, c'est ça l'opposition. Et puis proposer, venir avec un autre projet pour les prochaines joutes. Mais chez nous, comment ça se passe, généralement, malheureusement? C'est très avancé, il démarre, il peut quand même faire 4-5 kilomètres. Vous avez des gens obsédés par la prise du pouvoir, mais sans vous parler d'élection, parce qu'ils ont refusé d'admettre que Gomoun qui gagnait, et puis qui mettaient tout obstacle sous rail là pour le dérailler. C'est ça, Haïti. C'est ça, notre histoire tourmentée. Mm-hmm. Et donc, il faut qu'on arrive, citoyen. Il faut casser cette spirale. Très bien, citoyen, sénateur. Lui investit ça le gagne comme patrimoine au pouvoir public pour yo assurer lui un destin meilleur. Ça veut dire à travers l'argent taxe, lui paye autorité yo. Ça veut dire si gagne un monde qui empêche au travail, la loi dit qui ça pour faire. Donc c'est pas li pas trop bon qu'on dire non, non, travail. Non, non, non. La loi dit qui ça pour faire. Non non non, écoutez, c'est pas comme ça. Qui ça qui caractériser les républiques bananières, par exemple. C'est l'obéi toute journée. Tentative de coup d'État toute journée. Attendez-moi, Colo. Tendre la perche, appeler au dépassement, au dialogue, et puis pour avancer ensemble. Mais président, tout président, excusez-moi, merdé pendant le pouvoir, ils ont fait tentative, mais ils ont toujours rejeté, oui, la main tendue. De Jean-Bertrand Aristide à Jovenel Moïse, oui. Parce que Mouna, vous avez une clique qui estime que y a pas qu'à quitter un président qui est élu, fait tant. Et que, attendez. Enlève le terme clique. Non, c'est... Bon. Il y a des choses. Bon, ok, pas de problème. Mais bon, oui, c'est vrai. Il y a des irréductibles. Irréductible pour qui ça? Parce que une question directe ou posée. Si je viens vers où et que c'est moi qui t'as l'élection gagné, m'aller au-delà de moi-même, je me dépasse, je me transcende, m'dou en ouchita pour avancer ensemble. Bon, qu'on est en dire comme ça, non pas question, c'est quoi pour aller. Forcément, c'est alors dit là tout. Oui. Faut que c'est pas pour la consommation. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Et c'est une raison qui fait moi. Même où il dit Rivo, parlant de sincérité, au président de la République, il me dit que, mais ça me pensait que pour faire. Et qu'il faut que sincérité dans l'approche là. J'ai parlé aussi à des compatriotes de l'opposition. Je me dis, monsieur, c'est en nous, il y en a avancé vers l'autre. Je suis sincère dans ma démarche. Faut que de l'autre côté. Mais non, il y a un jeu de coquin côté Mouna. Qui part au pouvoir, là, qui est l'opposition généralement. Mais c'est au bon président, c'est lui qui a l'élection, il gagne. Et puis qu'on lui offre, c'est où pour venir dicter ce qu'il doit faire. Non. Alors là, il ne disait pas dicter ce qu'il doit faire, fait là. C'est question, fait mandat. Même démantelé, mais c'est. Non, la question, c'est mandat. Non, même ce démantelé, ça montre que c'est absurde. C'est 17. 17 Mabdo. Écoute, pas essayer. C'est absurde. Non, c'est absurde. Je vais vous dire quelque chose. Absurde quoi, Abdila. Non. De l'absurdité. Si on bagaille ou l'île tête en bas. Non, c'est pas vrai. C'est nous qui mal lire. Tête en bas. Non. Et je le jure. Il devenait. Non, c'est nous qui mal lire. Il devenait. Comme tu en bagaille. Moi, c'est 132.2. M'lire, lire. L'île est pas vrai. Et d'où il faut harmoniser le temps et pas ça le dit. Il dit si que président, pendant l'élection, monter immédiatement après validation scrutin, il y a installé. Ceci ne s'est pas fait. Il y a installé immédiatement. Immédiatement. Et restant qu'après tel courrier, c'est comme s'il était commencé 7 février de l'année des élections. Donc selon vous-même, le fait que le pas installé immédiatement après, donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que le président provisoire d'alors, l'irrité, il fait tout un an. Et il a attendu la date symbolique et constitutionnelle du 7 février d'après suivant pour procéder à l'installation du président élu et décret électoral. Il sorte le décret article qui est article encore 289
Voilà, je l'ai écrit 239. Là encore, c'est archi faux. Dernier article dans le décret. C'est archi faux. Et là encore, nous passons à côté, je vais vous dire pourquoi. Si cette élection, tu demandes pour continuer, on va pas gagner, par exemple, André Michel, qui avait recueilli sous une bannière comme candidat à la présidence moins de 1% des voix, et puis calé dans l'élection pour sénateur. Ce n'est pas la même élection. Ah non, vous disiez pas vrai. Non, attends-moi. Est-ce que tu me permets? Non, mais là, c'est ça. On t'a remettre une argumentation que l'on a. Même si c'est rapidement. Donc, ce n'est pas la même élection. Si ce n'était pas la même élection, tu as gagné un communiqué global qui t'a pris le monde poser candidature. Yo mandé moun ki dans le coussio pour confirmer. Pour confirmer si oui ou non, il y a pas de signe. Oui. Voilà. Moi même m'a dit l'encore. Mes amis, rendez-moi fou sage. Comment qu'un candidat dans le décret il dit très clairement pour la continuation pour la poursuite des élections. Et c'est faux parce que pas qu'un candidat pour président et sénateur n'ont même élection. C'est une aberration, ça n'a aucun sens. Alors, candidat à la présidence, non élection, et puis au cours de la même élection, soi-disant, un candidat au Sénat. Eh bien, mon cher, monsieur, donc, ça veut dire quoi? Non, je continue. Ça veut dire quoi? Nous certains que Blanc a réfléchi pour nous. Non, mais Mabdo, le Blanc. Et Blanc va réfléchir au dernier moment. Mais Mabdo répond oui. Et qui Biden a réfléchi sur sa application? Nous. Mais écoutez, ils sont fatigués. En tout cas. Ils sont fatigués de nos erreurs. Vous ne pensez que vous pas réfléchi? Non. Et Mabdo, monde qui pense avec l'intronisation de Biden le 20 janvier et que la position des Américains va changer, c'est faux. Parce que Biden va encourager ceux qui font de la politique en Haïti prochaine élection si nous voulons prendre pouvoir. C'est ce qu'il va faire. Et Mdoudouli. Okay. La position des États-Unis, de nos amis américains, ne changera pas. Et il y a bien raison. Je vais toute journée pour que mon cas, il y ait le cas Haïti. Et puis cette turbulence politique, cette obsession pour me prendre pouvoir, mais sans élection, que m'a géré. On est fatigué de vos errements. Parce que de toute façon, il y a réfléchi. Non, il y a réfléchi et Mabdouli. Il n'y a pas qu'à gagner l'opposition. Non, ils, attention. Ils peuvent. Il faut mettre ton bémol. Attendez, m'a vini sous lit. Oui, non, la question. Ils peuvent toujours. Relations internationales. Il faut mettre ton bémol. Non, je vais mettre ton bémol. C'est son enregistrement qu'a fait là. Non, mais bien sûr, non, mais ma clair. Oui, nous pourrons le faire. Et j'assume ma position. Non, mais mettons ton bémol. Encourager les acteurs politiques à prendre le chemin des urnes pour monde qui voulait. Vigne au pouvoir, c'est normal. Il vaut aussi encourager. Mais là, on constate élection parfaite, pas café. Fin d'année, il vaut aussi encourager ça que nous-mêmes n'avons pas encouragé depuis des lustres. C'est moun nouye, nous gain intelligence, dans l'école, chita entendre nous. Il vaut aussi le faire. Et là, on ne va pas entendre nous. Nous ne va jamais entendre. Mais non, de vous pas entendre nous, c'est la légalité qui prévaut. Vous avez un président dont le mandat s'achève. La légalité des gangs qui nous assassinent. Non. Là, ma binisso. Ça va exister. Ma binisso. Un peu de pitié pour la population. Oui, mais ma binisso, c'est la légalité qui va prévaloir. Ça veut dire son mandat s'achève le 7 février 2022. Alors, comme si moi-même, pour ne pas parler de transition, nous voulions grignoter, comme Brivère l'avait fait, un an, et puis après, notre président qui a parlé de 2022, pour me dire que ce n'est pas 2027 que le mandat finit. Il faut freiner cette dérive. Ou voulez qu'on n'y a pas les de transition, même si bagaille de la douce là, et puis qu'on y prend un an soi-disant un mandat sous le fallacieux prétexte. C'est mandat, c'est sa constitution prévoit. Et puis le président, imaginons que c'est moi, mais élu président en 2022, et vous dites non, mandat m'a fini en 2026 qu'on y a. M'a toujours dit non. M'a toujours dit non, parce que c'est pas moi qui te okay. Vois. Ok, c'est ça. Maintenant, Colo, on va vous dire qui est clair. Et nous tous conscients, lui dit, le pouvoir aussi est conscient. Et c'est ça que fait le chef de l'État, mandé, moun qui l'a pour ça, le CSPN, pour responsabilité, et pour relayer l'appel du président. La question sécuritaire. Absolument. Pas qu'aucun monde là qui fout, ou bien qui vit dans notre planète, qui par contre n'est que une situation intolérable qui est grave.
phénomène d'insécurité, il faut que toute disposition prenne pour couper. Là, je vous le concède, parce que pas qu'un haïtien qui n'est pas affecté d'une façon ou d'une autre par ce climat délétère. Mais de grâce, m'baka chaque semaine, mon président est pour 5 ans, et puis pour m'a coupé dans mon dal. Qui côté m'a privé, et puis après, il vient parler de la vie chère, de fatra. Oui, il y en aura toujours. Si nous n'avons pas la stabilité politique nécessaire pour que le président travaille. Ok, merci. Permettez-moi de saluer M. Gédéon Jean du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Naturellement, on a pas le fond de l'autre rendez-vous avec lui. Parce que il était convenu à Marcel que la plat. Et m'était même demandé une confirmation avec Colonel Rebu et vous-même. Il a dit une confirmation a été faite. Mais en tout cas, nous comprenons. Alors, M. Gédéon Jean, comment nous. Nous là. C'est avec plaisir que moi arrivé en studio. C'est la société civile quand même. Oui, il va en retard, mais il me dit de faire ça. Ouais, puis c'est ton promesse pour me dire. Non, il va te dire. Il te dit. Première ramassée qu'a fait. Première ramassée ou moment vérité? Premier moment vérité pour Anéa. Donc nous étions d'accord sur ça, mais je me disais pas en route parce que bon réunion quitté pour passer la dernière ville là. Mais je pense que c'est un autre plaisir tout pour me rejoindre de personnalités là. Osmond Pradel, Colonel Rebu, sénateur Rudy Rivo, Alain Alfred, de la COGIT. Et l'équipe de Signal FM, puisque je fais partie de la famille Signal FM, la grande famille, bon saluer tout personnel administratif radio. Bon saluer PDGA. Mario Vio et puis tout auditrice, auditeur émission Moment Vérité. Pourquoi dire deux mots et puis nous rencontrons l'autre là? Avec plaisir. Même arrivé là non moment côté que débat vraiment chauffé, animé. Passionné, entre guillemets passionné. Mais très intéressant, puisque c'est protagoniste qui a parlé. C'est sénateur Erivo qui représente le pouvoir, donc c'est le pouvoir qui parle. Et puis, il y a des gens de l'opposition, ingénieur Pradel, qui est en DIPROD, donc qui a dirigé Fusion, ou le colonel Rebu, quand même, qui est passé de l'opposition, et Alain Alfred, qui est en qui passe de présentation. Là, même. Voilà, c'est intéressant que nous tendions. Oui, parce que nous-mêmes, cap analyser, moi-même, qui est en particulier dans le droit, même bon politique, moi, c'est travail dans l'institution, avec tout le partenaire. D'abord, pour monitorer violation de droits humains. C'est le premier, nous. Monitorer violation de droits humains, dénoncer violation de droits humains. Violation de droits humains limite en évidence son rapport de verticalité de l'État vers le citoyen. Quand l'État viole les droits citoyens, quand l'État n'a pas respecté les normes, quand l'État n'a pas respecté les obligations qui prédominent en matière de droit international des droits de l'homme, nous parlons d'obligations de respecter, de protéger, de mettre en œuvre. Mais parallèlement, j'aime toujours dire, au-delà de cette mission qui paraît un peu plus classique, nous avons toujours dit que l'institution doit se mettre en tout là pour contribuer dans l'effort pour construire l'état de droit, puisque si nous préférons, par exemple, à la déclaration du programme d'action de Vienne, déclaration, puisque c'est juriste et avocat et tout, déclaration qu'on aime bien. Et le programme d'action de Vienne, adopté lors de la deuxième conférence mondiale sur les droits humains, eh bien, il établit une corrélation étroite entre état de droit, démocratie et droits humains. Autrement dit, droits humains les garantit un autre état de droit. Ouais. Dans la société démocratique, ça fait nous-mêmes, nous devons, au-delà de dénoncer les violations de droits humains, mais participer dans la construction de l'état du droit et dénoncer aussi lorsque, par exemple, il y a des administrations de gouvernement, hein, de gouvernants qui contentaient au Puyo, entre guillemets, démanteler. Ouais, arsenal juridique là. Donc moi c'est que travail là, les gros double pilier, mais moun qui est au premier chef et qui amène le débat, c'est politique, c'est le pouvoir. Mais nous-mêmes tout, nous avons un rôle essentiel pour nous jouer. C'est même genre leur parler d'élection. Nous toujours rappeler ça. En Haïti, souvent au début des élections, ça concerne les partis politiques au premier chef. Moi, je me dis non. Élection pas concerne les partis politiques au premier chef. Si en matière de la Cour nationale des droits de l'homme, le droit politique, le droit ça, c'est pour nous d'abord choisi ou bien renouvelé représentant. N'oubliez pas que la constitution première génération des droits de l'homme, voilà, les droits civils et politiques. Je rappelle que la constitution dit ceci, la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Souverain c'est moins, c'est pégigien. C'est pas gouvernant, c'est moins. Qu'on y a là, comme notre démocratie représentative, parce qu'on a l'histoire de la démocratie, bon système de démocratie directe. Ok, on a une analyse au matin avec Marcel sur les élections américaines, c'est très intéressant. Donc, peuple là, à travers un mécanisme, il délégué exercice pouvoir ça. Il délégué, mais
délégation faite en vertu de la norme juridique. Et on a toujours tourné sur le respect de la norme juridique. En vertu de la norme. Ça veut dire que l'homme au pouvoir, et pas pouvoir, excuse-moi, souverain, droit, exercer, pour le monde. C'est même Jean-Tac ou Peggy Jean qui mène avec Marcel, qui dirige l'émission Moment Vérité. Mais direction, bon, un mandat pour exercer, on fonctionne. Entre guillemets, on comme ça. Ok, il y a une mission qui on tâche, sous table du point de vue administratif. Donc, ou faire ou gain pour délivrer, ou pas délivrer tout, direction catégorie du monde. C'est ça. Ça, c'est une logique démocratique. Donc, élection d'abord, c'est droit pour le citoyen lui-même de choisir représentant. Mais, ok, ou pour le renouveler personnel politique, pour le sanctionner, etc. Mais c'est droit tout pour quitter le stade gouverné pour venir gouvernant. Par exemple, mon décabat, mon citoyen, décider pour le sénateur et le député. Donc, de ce point de vue-là, élection les conseils de commission pour le citoyen. Maintenant, les partis politiques eux-mêmes, mais son objectif premier, c'est prendre pouvoir, contrairement avec moi-même, ou bien Alfred Macron, nous-mêmes, qui est dans la société civile. Ils sont acteurs qui viennent après le citoyen, dans le processus. Mais globalement, c'est pour me dire que l'élection concerne d'abord le citoyen, mais les partis politiques, eux-mêmes, du point de vue institutionnel, qui bataillent pour la prise du pouvoir. Mais le gouvernement, parce que l'État, son fou, son personne morale, qu'on n'a pas touché, qui sont de fiction juridique, maintenant, gouvernant, qui a exercé souveraineté, souvent par exemple M. Jovenel Moïse en tant que président Jovenel Moïse, eh bien, lui-même, lui doit en vertu de mandat fonction du principe état de droit, ou créer les conditions qui capable de favoriser l'exercice et la justice de ce droit. Donc c'est comme ça nous-mêmes nous pensons, et ça fait que nous posons, parfois nous un petit peu transversal, nous intéressons à débat, mais son débat très intéressant qu'a fait là. Débat sur constitution. C'est vrai que son débat d'abord académique, parce qu'on a été mouillé, tout le monde parlait dans toute bagarre, tout le monde connaît bagarre. Débat sur question électorale. Non, question intéressante, c'est normal en question de mandat de constitution, ça concerne la population dans son ensemble. Mais du point de vue technique, domaine, il y a des gens qui étudient le même genre, c'est ça. Si c'est la médecine, même c'est pas domaine BAM. Si c'est par exemple question militaire, sécurité, c'est pas domaine BAM. Ok, donc nous-mêmes en Haïti n'a pas fait ça, nous tous restons dans tout. Donc, ça vient de faire que souvent, déjà pour nous approcher des débats, déjà pour nous comprendre, nous, éléments d'éclairage pour nous gagner, on y a une biaise à la base, une fait que nous dit tout. Pour me dire ça, c'est pour me faire une démarcation entre un point de vue qui est une question, tout le monde qui est concerné pour une question d'intérêt général. Mais il faut nous tenir compte des spécificités, des questions, des particularités académiques. Le ça pour une partie à partir de postulats académiques. Sinon, nous n'avons pas besoin de faire la science, nous n'avons pas besoin de faire l'université, nous n'avons pas besoin de Peggy Jean qui mène une émission qui n'a pas qu'à mener, qui a juste invité, nous n'avons pas besoin d'ingénieur Pradel qui est dans le domaine, docteur Erivo dans le domaine, des politiques dans le domaine. Donc, moi, c'est que ça, c'est une précision qui est importante. Bon, peut-être une prochaine fois, parce que moi-même, sous question qui est très intéressante, question mandat, parce que nous-mêmes, nous parlons de mandat constitutionnel présidentiel, pas un président qui a un mandat, on prend un mandat qui est établi par la Constitution. Par bon exemple, un chef de chimie. Cher la vérité. OK, on gagne mais l'éducation nationale définit des normes, OK, l'école la ligue ensemble deux éléments qu'il mettait pour définir cher là, OK, comme on vient exercice mais cher là pas pour. Cher là est préalablement défini et bien au mandat. En fait, il est de principe en droit public que le mandat des élus est préalablement défini par la Constitution et pas défini de ou rentrer dans le moule. Donc c'est ou accepter rentrer, ça faut respecter principe, son principe de droit public. Ça quoi du droit que toute élection dans tout pays qui adopte le modèle de démocratie à l'Occident, c'est texte fondateur qui définit mode d'élection, mandat, comment pour faire, échéancier, etc. Donc c'est pas ou qui vini et pour dire mais qui j'aime ou t'as bien, mais le vrai. Par exemple, président Trump t'as mérité. Son bel exemple, il t'a mérité. Parce que le pouvoir n'a pas mérité. Et c'est parce qu'il y a un t'a mérité vrai qui fait que un texte majeur qui définit. Exemple, si y a l'FM. Si je dois Peggy, l'homme garde moi le journaliste que Peggy est, m'intéresse mon journaliste. Quand je vini, mal, etc., m'étudie, me font formalité, que je rentre dans le FM comme journaliste. Mais émission que m'a défini, que m'a animé, un principe, si je FM en tant qu'institution, en tant que personne morale, je définis avant. Ce n'est pas qu'à l'homme venir, je t'ai aimé faire comme ça. Je t'ai aimé faire comme ça. Mais quand j'en fait, quand il y a si pour me changer d'homme ça, gagner le document qui explique l'existence personne morale, ça qui c'est le même qui a procédé que le préétabli. Donc son schéma qui est très simple, si nous voulons la démocratie, il faut accepter ça comme postulat. De façon explicite, pas de Gédéon. Il passe en temps aimé. Et vous voulez dire qui ça, de façon explicite. Non, grande démocratie. Il t'a mérité. Non, mais il t'a mérité. Et ça fait que. Utiliser des procédés légaux et politiques.
Qui vous dit, il n'est pas fou, son type intelligent. Ou après que, non, et ça, il faut comprendre la politique américaine. Automatiquement, résultat au certifié officiellement, les doules par email, mais l'accepter. Mais, de pouvoir qu'on ait certification ça officielle par le vice-président, ou pour qu'on ait officiellement, il faut comprendre ni quoi. Ça, c'est en Haïti. Non. Lorsque nous élections aux États-Unis, comme, bah, vous faites en toute transparence, vous avez un nombre de voix gagnés, vous déclarez gagner. CNN dit, ou pour qu'on gagne en élection, oui. Ou pour qu'on ait élu d'ailleurs. OK? Donc, ou qu'on première étape administrative, côté que vous parlez qu'officiellement, pour équipe pour capable de commencer la transition, mais non, ça, c'est étape administrative. Première étape, c'est lorsque les grands électeurs réunis, ils ont confirmé l'élection. Parce que leur vote aux États-Unis, pas voter président directement, c'est pour grands électeurs voter. Lui-même, il va le réunir pour confirmer le vote. Là. Mais attention, il faut qu'on certifie. OK? C'est lorsque le Congrès a réuni, il certifie. Laisse ça où son président officiellement élu. Ou bien l'arrivée là, il dit OK, il est d'accord. Même quand il conteste le résultat, mais il dit qu'il est d'accord pour faire la transition. Mais c'est ça pour nous comprendre en Haïti. Même s'il dit pas dans l'investiture. Non, la loi pas imposé le boulot. C'est là seulement la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis. Que un président sortant, deuxième. Non. Après, il y a trois présidents. En tout cas, c'est Andrew Johnson qui a succédé à Lincoln en 65, d'accord, qui vint perdre l'élection et devant Ulysse Grant. Et puis qui pas assisté à bala. Maintenant, on va un bébé en troisième. Non, non, qu'à vérifier. Oui, on a vérifié. À l'internet. Non, même c'est le dernier parce que. Non, allez sur téléphone. Oui, Alfred. Après Alfred, et on va mettre un film dans l'histoire. Alors, on peut espérer que. C'est ça. Et jeudi, en 2021, et nous comptons 2021 qui s'est apporté pour nous-mêmes, qui tape monitoré à la santé humaine. Non, mais son année vraiment catastrophique. En termes de violation des droits humains, en termes de démantèlement institutionnel, en termes de violation des principes de l'état de droit, ça nous toutes nous est bon, qu'on y a phénomène kidnapping, même son l'autre bagaille, que, bon, son bagaille, moi, c'est que c'est colonel Ribi va l'expliquer nous très bien. Oh, parce que, non, pas nos éléments déclarés. Non, c'est domaine nous. Non, c'est domaine nous. Okay, okay. Non, expliquez. Non, pas qu'on est. Non. Pas qu'il y a des ordres qui capable de passer. Non, l'État, que l'État n'a pas de capacité pour bloquer. Voilà. Okay. Mm-hmm. Donc, bon, c'est que son bagage, pour nous comprendre, pas de ce kidnapping, non. Ça, on a gardé là, pas kidnapping. Non. Peggy Jean. Donc, m'a fini. Non, société civile, à partir d'une approche un peu plus large, que yo vraiment mette yo à la hauteur de enjeu, parce que ça nous sommes vivant en 2021 là, nous pensons que ça capte nous là, et c'est pas seulement débat pour nous faire dans le moment vérité, ça, c'est aider l'opinion publique comprendre barrière là, mais nous-mêmes, nous avons un effort pour nous faire, parce que payer c'est vous nous lier. Au-delà de débats qu'on a fait, des envolées oratoires, des approches, etc. Oui, pas de problème, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que dans ça, nous, il faut qu'on solution. Sinon, on va donner tout le monde à vivre. Mais je dis à ce qui s'en a fait. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. On voit. Non, même, je ne suis pas capable de quelques secondes de me proposer. Il faut me faire honnête. On voit. Sauf que comme moi, en tant qu'acteur qui travaille avec ma politique, mais qui a monitoré, qui travaille dans le domaine bien précis que c'est droits humains, observer d'abord qui sa politique a fait. Qui sa pouvoir veut faire parce que c'est cap exercer souveraineté là. C'est les gain levier ou non même qu'on a moi-même capable garder aider mais c'est pas moi-même qui va dire mais qui ça que tu as dû faire mais sauf que nous tout nous ouais dans qui ça nous là. OK, c'est ça on a joint et Alfred lui aussi de la société civile. Non, quelques secondes oui. Alfred pas parler du tout mais c'est sous ça mettre la sodia. Bon, on est là. Dit que nous saluer M. Gédéon Jean. Et sous questionner en pile, compatriotes, nous, concernant le travail de la plupart, et même quasi-général, de l'organisation qui a défendu à Mounicite,
ils ont gagné une réaction très tiède vis-à-vis de leur performance. Pour quelle raison? Parce que généralement, l'organisation doit défendre certains mondes au détriment des autres. Ça, c'est une. Deuxièmement, ou gagner la perception quasi générale, c'est que l'organisation SAO, qui a priori a doué au-dessus de la mêlée, pendant qu'il a dénoncé ça qui mérite de dénoncer, fait intervention pour défendre tout le monde, non pas certains mondes, eh bien, il est tombé dans une question d'esprit partisan. Dans mon illustré, ça veut dire. Non, mais écoutez. Vous voulez bon, une minute en plus pour illustrer, ça veut dire. Prenons par exemple. Et on simple exemple en 2004, 2003, 2004. On va aller loin, oui. Non, mais l'histoire est là. Bon, en tout cas. Il faut s'y ressourcer pour capable de venir avec ça, argument à chercher. Même des monde qui était dans soi-disant organisation qui défend le monde. Mais ce n'était pas les plus farouches adversaires opposants au président Aristide. Oui, avec certains moments qui fait partie du groupe 184. Non. Organisation soi-disant qui défend le monde. Qui partait nécessairement en 1984. On parle d'organisation qui défend le monde. Il ne faut pas faire d'amalgame. 1984, il y a. Non, 1984, il y a même association des médias là-dedans. Mais ça, c'est des organisations qui, a priori, étaient là pour dénoncer ça qui méritait dénoncer. D'accord, défendre et doit tout le monde. Mais où est-ce qu'il entre dans une dynamique et subversive. Et malheureusement, au fil des années. On va parler de tout bruit. Mais c'est bien sûr. Mettez instabilité. Bon, c'est ça, vous voulez dire. Oui, moi, j'ai gagné, par exemple, qui qu'on a la question d'aller chercher cadavre pour mettre pour dans la rue. Oui, organisation des droits humains. Mais bien sûr. OK, comme vous êtes remonté loin. Ensuite, autre chose. Vous dites. Généralement. Vous dites, vous réfléchissez à ça. Oh, mais bien sûr, c'est la réalité. À chercher cadavre. En 2004, même tout ça. Oui, c'est une époque, mais qu'on est nous défaut dans ça. Non, mais c'est réalité, Nicolo. Ce n'est pas des organismes de droits humains qui ont fait ça. C'est des militants de gauche qui ont dit que tu fait ça. Non, mais Mabdou, là, maintenant. Des militants de gauche. Débarqué, il y a des gens qui ont la chasse de cadavres. Des militants politiques. Oui, non. Les gens qui étaient dans les bagailles de droit, les gens qui ont marché chercher. Vous dites qu'on s'en a dit à très bien. Et Mabdou, non, mais c'est ça. Mais écoutez, les gens qui ont dit à très bien. Mais pays a connu le tout. Mais on dit qu'il y a un changement d'acteur. Pays a connu le tout. C'est ça, vous connaissez. Non. Moi, quand on voulait venir, mais moi, je m'allais plus loin. Mais deux villes. Par exemple, 5 décembre 1990, date ça, au Saint-Gilles. Oui. Vous savez, Jacques, t'es passé 5 décembre 90. Pétionville. Il y a une bombe qui a explosé. Okay, d'accord. Merci. Okay. Non, pardon. Quelque chose a explosé. Ok. Son abdo. Miraculeusement. Oui, mais qui t'aime tout ça, yo. Écoutez, on fait partie de l'histoire, non? Mais c'est. Vous dites qu'on est les artisans du 5 décembre 1990? Non. C'est des tâches. Vous avez vu, artisans. Non, vous connaissez très bien. Ah, les artisans du 5 décembre 1990. Moi-même, toutes ces quelques 11 jours avant les élections du 16 décembre 1990. Peggy Jean, ma position est la suivante. Toutes vieilles tâches sommes ça, yo. Beaucoup de pour nous faire, pour nous dire au trop. Il ne pas faire honneur à pays. Mais sénateur, sauf que les organisations de droits humains sont très, très importantes, sont très utiles à la société. Écoutez, Mabdo. Et je dis, en cas de pouvoir, demain on est en opposition, tu auras besoin des organisations de droits humains. Il faut. Qu'elle soit à la hauteur de leur mission. Bon, oui, bon. Qui est une mission, non. Je proteste énergiquement, je veux en dire. Non, fini, oui. Mais, sensation qu'on gagne, réalité que nous vivons, en pile dans yo, yo partisans et yo anti-pouvoir en place généralement. Yo toujours porté de l'eau dans moulin. Moun ka bat pour déstabiliser. Mais est-ce que c'est pas réalité qui fait ou pas arrêter anti? Non, c'est pas réalité. L'homme dit réalité. Attendez. Il y a organisation de droits humains qui documente un rapport sous sac passé la saline. OK? Qui a une implication d'officiel de l'État. Est-ce que naturellement, le papa le paraît tant cool t'avais en face pouvoir sans que le pas nécessairement en face pouvoir? C'est un bagage qui passait. Pendant que vous parlez aux Nations Unies pour sortir rapport qui reprenne ça que tu dit par des organisations. Mais que je vois yo, okay. Sans passion, sans a priori. Donc, bah, quoi, c'est ça, pas, fait, t'es fait silence. Élément déstabilisateur. Il faut passer à vie de outils déstabilisateurs. C'est ça, moi-même, dit. C'est-à-dire que dénoncer, oui, ce qui mérite d'être dénoncé, d'accord. Même si a priori, c'est comme si
yo t'a pas dit qu'il y a des monde dans pouvoir qui fait que la justice fait travail yo doit dénoncer. Je suis d'accord. Mais généralement d'où yo comprend des positions qui montrent que yo entre dans une bataille politicienne et généralement c'est contre le pouvoir en place. Ça ne date pas d'aujourd'hui mon frère. Nous remontons dans les années 2000 et plus de voilà Colo, plus de 20 ans après, nous sommes dit ça. Lorsque nous décidons à prendre respecter alternance démocratique. Ok, c'est ça. Et puis, résoudre le problème, nous, non, je t'attendais dans le dialogue. C'est ça, oui, M. Dérangeant. Non, vous connaissez le dialogue. Concerne tout. Oui. Non, mais ma pote accusation. Non, pas dit ça tout, mais le débat, m'a permis que je me pose une petite précision sur ce que je dis. Vous dites trois bagailles. Performance, vous tiède, organisation de droits humains, pour 2020 ou bien pour. Non. Performance, oui, c'est ça. La tendance, l'opinion publique, quand on parle des organisations en général qui défendent le droit en Haïti, vu expérience que vous faites, réaction, qui permet de faire mais je suis au cœur, de la. Non, vous pensez non, mais pas de rapport. Alors, moi-même, quand je me dis par exemple, haïtien fatigué. Avec l'homme qui a fait toute journée dans la rue, casé. Et pour demander si je vais enquêter. Non, c'est pour comprendre ni plus bien. Non. Si on y a là, besoin de enquête, pour me dire compatriotes, nous, yo fatigué avec casé brisé, avec l'obéi, et que vous voulez acteur politique, entendre pour avancer. On va demander si je enquête, mais non, c'est pour mieux comprendre ça. Ah non, ok. Si c'est ça, mène 1000 enquêtes, mon cher. Bon, m'essayer. Ok. Alors, j'en ai dit là que vous connaissez que pas de fond débat sur l'organisation de l'OASM matin. Non, c'est ton parenthèse, c'est parce que mais, vous capable toujours signaler ça. Et bien, performance, organisation de l'OASM, yo même. Une fois que vous faites des travaux documentés, travail la vie pour l'opinion, vous connaissez ça comme scientifique avant tout, vous pouvez interpréter les gens. Ok, tout le monde est capable de dire que, par exemple, vous avez un livre, vous faites une analyse, vous ne pas pour encore tomber dans l'opinion, tout le monde est capable d'apprécier. Mais sauf qu'on est de la trempe de sénateur Rivaux qui, bon, quand même, qui passe à l'université, qui a des titres, parce qu'il y a des bagages, il faut remonter à des indices pour l'homme documenté, pour capable de venir avec lui. Mais nous admettons que lorsqu'on fait un travail, ou publier, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, il y a une enquête, rapport, c'est pour tout le monde. Maintenant, troisième manière, là, c'est le fait que les anti-pouvoirs sont un élément de déstabilisation. Bon, et je me suis toujours rappelé ça, et je pense qu'on a un monde qui représente le pouvoir, il faut que tout le monde soit, et moi, ou aligné sur la même position, ministre de justice, là, le TAP fait intervention dans l'OEA. Mais malheureusement, c'est parce qu'elle était errée, parce que pas comprendre la fonction de la justice. Parce que l'organisation des droits humains, qui s'allie, elle m'a toujours rappelé ça, Peggy, toujours ça. Lila lui-même, pour lui, il y aurait des cas de violation, documenter ou dénoncer. C'est-à-dire, c'est l'occasion ou même que c'est l'État pour aller utiliser mécanismes pour établir véracité fait. Malheureusement, nous ne pouvons même pas travailler. Je peux dire, pas ou même, non. Non, mais ça mais dit encore et oui. Jusqu'à présent, ça s'est lié. Non, ça lié, non. Et pas me parler par contre, ça lié. Oui, ça s'est d'accord. Je ne pas Peggy. Excusez-moi. Peggy, non. D'accord. Nous ne pas faire ça. Ou qu'a réagi. Question préoccupation. Tout le monde d'accord à la vérité. Mais comme si après t'es Alfred, c'est sous motion. Peut-être que me font une réaction. Vous d'accord? Comment est-ce que vous avez merci beaucoup. Donc, je vais vous expliquer, nous, c'est ça pour nous comprendre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous, c'est exactement ça lié. Son miroir, vont-ils là. Nous faisons travail, nous, selon méthode par nous. Même si pas qu'on travaille comme l'État. Parce que nous-mêmes, nous avons une obligation, nous, comme l'État. Et toujours rappeler nous ça. Obligation de protéger. Ça veut dire que adopter des textes de loi pour garantir le droit à mourir. Respecter, ça veut dire s'abstenir, notamment par rapport aux droits civils et politiques, les grandes libertés. Mettre en œuvre toute disposition pour favoriser la justice effective de la justice. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas qu'on ait le tout comme pouvoir. On ne peut pas critiquer le travail que l'organisation de la justice fait. Donc c'est où on l'a. Mais tant que ça fait travail, ça, il est toujours dérangé. Et ça, sénateur Rivaux, il ne faut pas diminuer l'ordre. D'accord, ça fait le déranger.
Non, pas où, ça fait le déranger. Okay, non, non, pas où, mais pas là, ça fait le déranger. Justement, puisque droits humains sont rapport de verticalité, de vous dire violation de droits humains, c'est pas qui concerne l'État directement ou indirectement. Violation par omission ou par action. Ma bon exemple. Aucun droit ou même qui sont autorités ou pas le fait par là directement, mais on groupe qui fait le bout. Ok, etc. Ou bien qu'à camper, toi, regarder, etc. Maintenant, c'est normal que le travail nous fait à seconde position face à l'utiliser, mais ce n'est pas nous-mêmes qui faisons le bouli. Nous faisons le travail, nous. Nous ne pouvons pas nous capitaliser. Quand nous avons même, nous avons le pouvoir, si tu comprends le mécanisme, là, on ne peut pas défendre, nous ne pas qu'on est. Donc ce n'est pas nous-mêmes. Ok, le travail à nous faire, on utilise. Maintenant, pour finir, vous estimez que il y a une organisation qui défend droit un peu. Moi-même, je ne pas capitaliser. Certains mondes, mais pas tout le monde. Non, d'accord. Moi-même, je ne pas venir parler, je pas un mandat pour l'organisation de droits humains. M'a dit, j'ai une institution. Non, mais bien sûr, m'a dit, bon, là, pas fait ça. Non, mais sous-conscient, sous-conscient, réalité a existé au cas où elle. Non, et pas ça m'a parlé. Question, c'est, il y a une organisation qui défend droit à certains mondes, et pas défendre droit à l'autre monde. T'as les organisations en pile, là, parler de eux. Il peut parler du cadre. Donc, moi, m'a dirigé centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Ok, moi, je travaille avec d'autres organisations. Ou pas citer ni cadre ni yo, même pas contre des ou pas citer ni yo, on peut venir tout, pas contre qui yo. Mais quand il y a là, tout le monde pas parler pour eux, puisque chaque monde a une méthode de travail par eux, tout le monde grand monde, encore qu'il travaille sous des principes. Donc, son plan, gars, elle fait pas citer non, pas, qui organise. Okay, donc, alors, en tant que journaliste, mais bon, que. Non, tu veux moi qui explicite. Non, pas mal, c'était beau. Et regardez, en tant que. Parce que quand il est en là, je pensais que. Comme nos amis qui sont pas nés, ils ne pas parler. Pour me dire qu'à bon conseil, je suis un grand orateur et conseiller pouvoir. Dio, al gade. Qui obligation l'État en matière de droit. Oui, mais tu devrais pour agir. Pour qu'on ait critique organisation, fait travail. En dehors de position. Vous faites travail ou pas de monde capable de gagner. Droit gagner comme citoyen, comme intellectuel, comme universitaire, ou à l'école, mal l'école, toutes les gueules à l'école, nous respecter une autre. Et dès qu'on est classe moyenne, il faut à l'école, il faut avoir tout respect mérité. Il gagne un petit problème dans l'attitude. Organisation. Nous pas qu'étant développé. Parce que le côté de l'eau dans le moulin, moun ka bouger de terre dans pour anou. Nous pas qu'étant développé. Le faux travail. Oui, oui. Nous pas qu'étant développé. Fonal joint de cogite. Comment déplacer une fois. Merci. Fonal joint de cogite.